L'Unidad a mordu à l'hameçon et veut la peau d'Elway. Battez-les de vitesse et extrayez-le. On lui trouvera un petit coin tranquille, à condition qu'il nous dise tout ce qu'il sait sur le cartel. Vous êtes avec DJ Perico et on va conclure cette heure de musique par un mix bachata. Enrique m'a appelé pour finir le titre 20 pas à la passe. Les flics de là-bas installent des checkpoints sur la route et embarquent tous ceux qui ont l'air affiliés de près ou de loin à un cartel. Et ce coup-ci, ils déconnent pas. Un chimiste a voulu s'enfuir, ils l'ont abattu froidement d'une balle dans le dos. Bam ! Petit rappel à tous les ultras du cartel, si vous avez un tatou sur la gueule, il y a littéralement marqué « cartel » sur votre front. N'espérez pas vous faire passer pour un étudiant si vous avez Santa Muerte d'ancrer à la place des sourcils. Restez sur SB Radio, la musique revient tout de suite. C'est ça la mine de pyrolusite ? Franchement, je m'attendais à quelque chose de beaucoup moins moderne. Les gens du coin peuvent remercier la Santa Blanca. Sérieux ? Ils devraient les remercier pour ça, non ? C'est le cartel qui a construit cette mine. Niveau sécurité, ça n'a rien à voir avec les mines du coin. Voilà la base de l'Unidad. C'est n'importe quoi, cette mission. On n'est pas assez payé. Attends, tu touches pas la prime suicide ? Il paraît que c'est trois fois ta solde, plus une pierre tombale super grand luxe. Le drone a décollé. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. J'envoie un troisième. Je viens d'en voir un avec des pistolets mitrailleurs. J'ai demandé une reco de la zone aux rebelles. Ok, j'y vais. Il y a un ennemi au milieu d'un groupe de civils. Je l'ai aligné. Ennemi repéré. Je vois des panneaux lumineux par ici. Bien reçu. Mobile. Je rejoins un poste de tir. Bien reçu. J'y vais. Compris. Je l'ai dans le viseur. J'ai la cible en visu. Paré à tirer. Cible abattue. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. Cible désignée, gaffe aux environs immédiats. Je me mets en position. Faut que je trouve une meilleure position. Un soldat qui se balade avec un PM. Fais voir où ils sont. À l'entrée du camp. J'aligne la cible. Reçu. Cible désignée. Reçu. Je vais me chercher une position de tir. Je suis prête. Quand tu veux. On l'a eu. Soldat de l'Unidad en visuel. Le poste de tir. D'après ce document, l'Unidad a placé un mouchard sur la voiture d'Elway. Alors on a intérêt à se manier avant qu'il le trouve.
prends les commandes. Attends, tu vas te faire griller. Putain de militaire, ils valent pas mieux que la tête. Ils ont eu la courtoisie de m'envoyer des professionnels. Okay, respect, Green Boss. Il y a un hélico de l'Unidad. Profil bas. Gargala, je me débrouillais bien, vous savez. Des mineurs, il n'y en a pas deux comme moi. J'ai grandi en voyant les gars du coin rentrer chez eux couverts de boue et de crasse. Je suis comme eux, vous voyez. Sauf que ces types-là, c'est tous des socialistes, des communistes, des mentalités de gauchistes. Ça parle tout. On est tous très touchés. Los Polvos, c'est vraiment un business à la con. Mon cousin Chito à Culiacán, il s'en envoie tellement qu'il doit avoir du mal à se reconnaître dans un miroir. Il a tout le temps le nez qui coule. Avant, il chantait bien, mais... maintenant, la poudre lui a bousillé le nez. Il est chanteur de corrido ou quoi? Non, Neta, non. On était enfants de cœur. Mon cher Elway, t'as une vraie tronche de vainqueur. Chingado. Ça y est, je vois. Elle, c'est le méchant flic, hein. Assieds-toi. Aguanta. Respect, tout ça.
Oh, c'est mort. Je suis pas une balance. Je sais, faut que tu joues les machos, les forts en gueule, mais... je vais te faire parler. Même si je dois cramer ce qui reste de ton visage. Pas de cadavre, c'est ça qui est bien avec la crémation. Hé, hey, on se calme, d'accord? Je dois bien pouvoir vous dire deux, trois trucs. Déconnez pas avec ça.